Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Moldar, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je suis Parian, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous apprendre à faire des vidéos sur le téléphone. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que ça va durer un peu de temps. Donc il va vous falloir 4 logiciels très importants, ou peut-être un cinquième. Premier, YouTube Studio, donc qui sert à gérer votre chaîne avec beaucoup de précision. Donc on peut savoir le nombre d'abonnés, enfin bref, plein de choses. Et c'est très important pour voir ce qui marche, comment les gens regardent vos vidéos, grâce à quoi, grâce à qui, etc. Important car ils peuvent aussi vous mettre les miniatures. Ensuite, Power Director, logiciel de montage. Alors, soit vous prenez la version gratuite, mais sauf qu'il y a un petit filmogramme de Power Director pour leur faire leur propre pub, ou sinon, tout simplement, vous avez comment on appelle ça? Vous prenez la version payante, mais avec un comment on appelle ça? Un code d'activation gratuit, parce qu'en fait, il faut un code d'activation. Et donc voilà, c'est vraiment très très bien. Ensuite, vous avez besoin du Thumbnail Maker pour faire les miniatures. Donc je vais vous faire justement comment faire une miniature. Ensuite, vous avez... Vous avez AZ Screen Recorder, je ne peux pas cliquer dessus, parce que sinon ça va couper mon enregistrement, mais c'est très simple, vous appuyez sur un petit bouton qui se trouvera en bas à gauche, généralement, ou à droite. Vous appuyez dessus, vous appuyez sur la petite caméra, vous attendez 3 secondes, et voilà, vous êtes en train de filmer. Et Eraser, c'est tout simplement pour faire un fond PNG, donc c'est très bien, par exemple, moi, quand je m'incruste sur mes deux dernières vidéos, j'ai essayé de m'incruster dedans, où je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, ma chaîne. Donc voilà, là, ces deux dernières, là, je les ai fait avec ma tête dessus, donc j'ai utilisé justement Eraser pour le faire. Donc, comment on fait un montage avec Power Director? C'est parti, on va tout de suite prendre ça. On va faire un nouveau projet, on va faire vidéo, voilà. Hop, on va prendre une vidéo que j'ai, je sais pas ce que je peux prendre. Et voilà, par exemple, on va prendre mon truc d'Offus. Donc, pour mettre une musique, vous allez ici. Ici, et là vous avez plusieurs trucs, donc soit vous prenez dans votre download, voilà, hop, vous prenez. Ensuite, pensez justement à baisser le son, vous allez sur le petit crayon, volume, et vous baissez, généralement 7 c'est pas mal, ou si vous voulez vraiment être sûr, vous baissez le petit 2, voilà, au moins vous êtes sûr. Hop, au moins, il faut toujours que la voix soit plus haute que la musique. Ensuite, vous voulez rajouter une image, ok, on va me prendre un chat, voilà, hop. Vous le mettez, il est dessus, parfait. Voilà, vous pouvez grandir, vous pouvez tourner, etc. Vous pouvez aussi faire un fondu, c'est-à-dire, voilà, quand il va arriver... Alors, attendez, on va juste baisser un peu le volume. Attendez, hop, parce que sinon vous allez tout entendre. Il arrive en fondu. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les textes. Bon, ça, c'est pas très compliqué, voilà. Vous avez aussi des conseils, mais bon, moi, j'ai appris seul, hein, c'est très simple. Voilà, on met coucou. Hop, le petit crayon, on attend, hop, on met en rouge, on met une bordure noire, c'est un peu plus stylé, et on met un peu d'ombre, voilà, et on remplit, c'est plus stylé toujours, voilà. Voilà, bref, là, il n'y a pas l'ombre, je sais pas pourquoi. Là, ça va faire quoi, justement? Ok, bon, c'est moche, là, hein. Je vous apprends vraiment pas comment faire. Ensuite, les coupures, vous appuyez sur ce que vous voulez couper, vous faites le petit, hop, vous regardez la suite de vidéo, vous dites, ouais, c'est bon, hop, vous recoupez, vous prenez, vous supprimez, et voilà. Pareil pour la musique, hein, les images, tout est pareil. Ensuite, bah, je sais pas quoi vous montrer de plus. Les stickers, alors, rien qui est bien, mais je le mets pas souvent, parce que maintenant, j'essaie de mettre de moins en moins, et j'y pense pas souvent, c'est le petit truc like, et ça, c'est très bien pour YouTubeurs. Pour les youtubeurs, voilà. Voilà, il y a le petit pouce, c'est vraiment bien. Voilà. Ensuite, vous allez sur le petit en haut à droite, vous faites produire la vidéo. Vous tapez sur YouTube, ça va vous faire un petit chargement. Et ensuite, ça va vous amener sur YouTube. Faut rien faire, faut tout de suite attendre. Ça va vous mettre sur une page YouTube. Et vous mettrez la description, très important, mettez une description. Un titre, pas putaclic, mais un peu quand même, hein, voilà, vous faire sa vie sur YouTube, non, je déconne. Mais bon, mettez un titre pas nul quand même, voilà. Ensuite, quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce que je préfère le plus quand je fais mes vidéos, c'est la miniature. Donc, vous allez arriver, et vous dire ce que vous créez, voilà, vous faites Create New. Alors, vous avez plusieurs onglets, donc par contre, faites gaffe aux pubs, il y en a H24.
Voilà. Premier onglet, c'est pour mettre un fond. Voilà. On va mettre bleu, par exemple. Non, on va faire une miniature pour Doki Doki Literature Club. Tu connais pas. Ça, c'est le texte. Je vous montrerai après. Et là, c'est l'image qui est un peu plus important. Ça, c'est des icônes, mais c'est dégueulasse. Bref. Add picture, ça veut dire qu'en fait, vous allez mettre une image que vous ne pourrez pas changer les dimensions. Je crois que c'est ça. Mais je l'utilise jamais. C'est crop and add picture. Ah non, bah, crop, en fait, c'est tu peux découper un peu l'image. Du coup, vous prenez ça. Voilà. Hop. Crop. Alors. Voilà, donc là, il y a le truc de Doki Doki et Twitter Club. Vous faites grandir un peu avec le petit carré noir, mais laissez un peu le rose quand même. Je trouve que faire un fond, c'est un peu plus stylé. Ensuite, vous rajoutez, oui, là, il y a ma tête. Download. Vous mettez le petit logo de Doki Doki et Twitter Club. Vous agrandissez pour qu'on voit tout. Hop, on va essayer de mettre... Ok, bon, voilà. Vous mettez l'image à un point un peu stratégique, quand même. Voilà, par exemple, là, en bas. C'est stylé, comme ça. Ensuite, le texte. Add text. Vous mettez le nom de votre vidéo. Tu connais... Enfin, ou le titre. Tu connais pas sur... Voilà. On met une bonne police d'écriture qu'on aime. En rouge, bien évidemment. Vous mettez une épaisseur, sinon c'est pas très très beau. Voilà, là par contre il manque un truc. Par exemple, vous voulez faire votre putaclic, et bah vous mettez une faute, une image, vous mettez une flèche rouge. Moi j'en ai jamais mis, mais peut-être que pour le tuto je vais vous en mettre une. Voilà, au moins ça fait une bonne excuse. Attendez, on va juste. Non, on va pas faire ça, on va faire nos filtres. On va. Flip. Horizontally. Attendez. Ah. Voilà, en fait, je vais faire ça. Comme ça. Sur Doki Doki Literature Club. Parfait. On regarde bien évidemment le numéro que c'est. Je crois que c'est le numéro 4. Je ne sais plus. Il y a mon chat à côté. Merci. Tu connais pas? Ah, j'ai mis que mes deux vidéos. Il y en a plus. 3. Je crois qu'il y en a 3. Et là, ce sera la quatrième. Yeah. Ah, voilà, on va juste la mettre à ma playlist. Playlist, tu connais pas. Ok, donc celui-ci, ce sera le numéro 4. Thumbnail Maker. Texte. Ajouter. Hashtag 4. Add. On va le mettre en noir cette fois-ci. Non, c'était en blanc la dernière fois que j'avais mis. On va le mettre un peu au centre. C'est un peu dur de le mettre pile au centre. Voilà, on voit que... Vous savez quoi, on va faire comme ça, c'est plus simple. Merci, au revoir. Hop, un petit 4 comme ça. Et on met bien évidemment le petit contour noir. Voilà. Là, on affine bien une miniature, je pense. Peut-être que je mettrai ma... Non, sur les tu connais pas, je pense pas en mettre, voilà. Donc, je vais tout montrer. Ensuite, là, vous avez le download JPEG. Vous faites download et vous l'avez. Ensuite, je vais aller sur YouTube Studio pour vous montrer comment on ajoute une miniature. Alors, on va, par exemple, on va prendre votre contenu. On va prendre... je déguste de l'eau ASMR. Oui, ça, c'était un gage de mes amis. Bref. Alors, vous faites... bon, attendez, là, je vais un peu trop vite. Vous cliquez sur la vidéo. Cette page elle se présente comme ça. Il y a trois petits trucs en haut à droite. Il y a le logo YouTube, ça vous amènera sur la vidéo. Le petit triangle avec un trait au milieu, ça vous fait partager la vidéo. Et le petit crayon qui vous la fait éditer, entre guillemets. Vous cliquez dessus et le plus truc qu'on voit, c'est télécharger la miniature ou modifier la miniature. Vous cliquez sur modifier la miniature, vous faites miniature personnalisée. Et là, justement, vous cliquez sur... Votre miniature, tout simplement. Hop, tu connais pas sur Doki Doki Literature Club. Vous la mettez et vous faites enregistrer. Voilà. Et là, du coup, c'est bon. Ça met un peu de temps, des fois, à se mettre la miniature. C'est pas systématiquement, enfin, ça se met pas automatiquement. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai montré, c'est comment je fais mes vidéos tout le temps. Toutes mes vidéos, je les ai fait comme ça. Par contre, mon logo, je l'ai fait sur mon PC, ainsi que ma bannière, pour faire un peu plus propre, je dirais. Enfin, même si, voilà, c'est pas non plus énorme ce que j'ai fait. Donc franchement, surtout cette vidéo, je l'ai fait pour Mister Gaming 64. Pour au moins que tu fasses un bon montage simple quand t'as la flemme, genre quand tu fais des vidéos sur FIFA et tu fais quelques coupures. Et Power Director, c'est très simple. Là j'ai fait un tuto bâclé, hein, mais franchement, seul tu peux te débrouiller. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit tuto. Et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.